Je t'attends en français, je joue la maman qui surprend sa fille en train d'essayer d'étrangler sa grand-mère avec le câble du téléphone. Lâche ta grand-mère, arrête de l'étrangler avec le câble du téléphone, tu vas la lâcher. Elle a pas voulu te donner un bonbon, c'est rien. Il n'a la maison des bonbons. Lâche ta grand-mère, lâche le câble électrique, mais t'es folle ou quoi? Tu vas pas tuer ta grand-mère, elle devient violée. Elle devient violée, tu vois pas? Jonathan en français, je joue la vendeuse de citrouilles qui drague. Bonjour monsieur. Ils sont 3 euros les citrouilles, oui. 3 euros. Vous en voulez combien monsieur? Vous en voulez 5? Ok. Choisissez-les et je suis à vous tout de suite. Sinon, vous pouvez me donner votre numéro. Moi, ça me dérange pas, quoi. Moi, je suis là pour récupérer les numéros des mecs, quoi. Mes clients, s'ils sont tous beaux comme vous, je vais craquer. Allez, donnez-moi votre numéro. Je m'en fous que t'es marié. Je m'en fous, moi, que t'es marié. C'est pas mon problème. Tu me donnes ton numéro, sinon, je te vends pas de citrouille. Tu peux repartir. Ah bah, repars, vas-y, bouge. Allez, ciao. Jonathan en français, je joue le vendeur de beignets énervé. Bonjour madame! Combien de beignets il vous faut? 4 beignets, 6,50 €. Dépêchez-vous! J'ai des autres clients qui attendent. Tenez, au revoir! Bonjour monsieur! Combien de beignets qu'il vous faut? 8, tenez! 8 € s'il vous plaît! Tenez, merci! Au revoir! En français, tu joues la nouvelle au lycée. Toi là-bas. C'est pas toi la nouvelle là, dans notre classe qui parlerait de moi, la plus populaire du lycée. Je te préviens, tu continues à parler de moi ou à draguer mon mec devant moi, je te bute, t'as compris? Allez, ciao. Jonathan en français, je joue l'esthéticienne désagréable. Ouais, bonjour, pourquoi venez-vous dans mon salon? Ouais, pour refaire vos sourcils et vos ongles, ok. Et puis une épilation, ok. Bon, dépêchez-vous, j'ai pas votre temps, allez, passez en cabine. Jonathan en français, je joue le prof qui donne les notes. Bonjour les élèves. Tenez en note, Kevin 0 comme d'habitude, t'es nul à chier. Emma 20/20, c'est bien Emma. Kelly 15/20, continue comme ça mais tes notes ils commencent à baisser, on va aller voir tes parents. Ok. Jeu d'acteur en français, je joue le mec de cité. Ouais, je m'engueule, comment ça va, m'engueule, ici c'est la cité. Fuck la justice, fuck les voyous, voilà ma gueule. Jeu d'acteur en français, je joue la sécurité dans un grand magasin. Hé, vous là-bas, qu'est-ce que vous avez mis dans votre poche là? C'est quoi de ça? Je vous préviens, vous remettez le jeu? DS que vous avez volé, je vous préviens. Vous remettez pas le jeu DS que vous avez volé? J'appelle tout de suite la police, allez finir en prison, je vous préviens. Je vous préviens, j'appelle la police. Allô la police, il y a un vol de jeu de Nintendo DS. Sénateur en français, je joue le mec qui drague des filles. Ouais, t'as pas un numéro quoi ou un snap? Donne-moi ton numéro, donne-moi ton snap, chocolat. Donne-moi ton numéro, t'es fraîche comme un glaçon. Allez, donne-moi ton numéro, t'as pas un snap? Non, moi j'ai snap, j'ai insta, j'ai tout ce que tu veux, baby. Donne-moi ton numéro, donne-moi ton snap, donne-moi tout ce que tu veux. Jeu d'acteur en français, je joue la ferveuse désagréable. Bonjour, que vous voulez-vous? Des pâtes à la carbonade avec ceci. Une bouteille d'eau, ok vous monsieur. De la chiparmentier avec ceci comme boisson. Un coca, ok, et comme dessert. Une crème brûlée, et vous madame? Une tarte à la pomme, ok, tenez. Mangez bien, je reviens tout à l'heure. Jeu d'acteur en français, je joue la meuf qui est bourrée. Un petit verre, madame, s'il vous plaît.
Pourquoi vous voulez plus me donner un petit verre? Donnez-moi un petit verre, un dernier verre. Allez, madame, dis-moi plus qu'une. Jeu d'acteur en français, je joue le mec bagarreur en boîte de nuit. Ouais, qu'est-ce que t'as regardé ma meuf depuis tout à l'heure? Tu regardes ma meuf depuis tout à l'heure? T'as un problème? T'as un problème? Tu veux qu'on sort? On sort? Viens, on sort! Jeu d'acteur en français. Je joue la caissière qui refuse de vendre de l'alcool à des mineurs. Bonjour mademoiselle, bonjour jeune homme. Alors, avez-vous une pièce d'identité pour que je vérifie votre âge? Non? Ah ben, je peux pas vous vendre cette bouteille parce que vous me paraissez très très jeune. Vous remettez tout dans le rayon. Eh, je vais pas me parler comme ça. Non? Moi, je ne veux pas prendre la responsabilité de vendre de l'alcool à des mineurs. Non, vous remettez la bouteille. Je veux pas discuter. Jeu d'acteur en français. Je joue le garagiste qui drague. Bonjour madame, c'est pour faire quoi votre véhicule? Changer les 4 pneus et changer votre pare-brise. Ok. Vous aurez pas Snap ou Facebook, madame, parce que je vous trouve assez mignonne, hein? Non, allez, faites pas votre relou, donnez-moi votre Snap ou votre Facebook, quoi. Jeu d'acteur en français, je joue le médecin qui fait les vaccins contre le Covid. Bonjour madame, nom, prénom s'il vous plaît, madame Ducheval, ok, Dupont. Ok, passez avec ma collègue pour faire le vaccin. Bonjour, vous avez pris quoi comme vaccin, madame? Moderna? Ok, je vais commencer à l'injecter. Tic! Aïe, 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 aïe! Voilà, madame! Au revoir! Oubliez pas votre prochain rendez-vous le 28 juillet! Au revoir! Jeu d'acteur en français, je joue le secrétaire désagréable. Bonjour! Oui, c'est quoi l'appareil? Madame Dupont, oui, votre rendez-vous est toujours bon à 9h30? Vendredi, oui! Allez, au revoir! Jeu d'acteur en français, je joue la fleuriste énervée. Bonjour! Que voulez-vous? Ok, des roses rouges avec ceci! Des tulipes avec ceci, monsieur! Ça sera tout? Ok, vous payez en espèces ou en carte bleue? En espèces, passe avec ma collègue! Jeu d'acteur en français, je joue la stagiaire dans un magasin de vêtements. Bonjour madame, est-ce que je peux vous renseigner? Non, je vous ai dit, j'ai pas besoin d'une stagiaire incompétente. Eh, je vous préviens, vous me parlez pas comme ça, je suis pas incompétente. M'insultez pas d'incompétent. Jeu d'acteur en français, je joue le magasin de bricolage. Bonjour monsieur, oui, vous cherchez quoi? Un pot de peinture verte pour ma cuisine. Alors monsieur, en vert, j'ai ce pot-là plus clair ou plus foncé? Oui. Lequel vous intéresse? Ce vert-là? Ok, tenez votre pot. Passez avec ma collègue pour payer. Bonjour madame! Vous cherchez quoi? Alors, des vis à tête plate. Ok, alors, ceci, tenez madame avec ceci. Un marteau, tenez. Passez avec ma collègue. Merci, au revoir. Au revoir. Jeu d'acteur en français, je joue le dentiste. Bonjour monsieur Dupont, asseyez-vous sur le siège, nous allons vous faire un blanchissement des dents. Allez, je commence. Alors monsieur, le résultat du blanchiment des dents, il est bien? Non, vous aimez pas? Ben, désolé, c'est ce que vous m'avez demandé. Si vous n'êtes pas content, vous allez voir un autre dentiste, je vous préviens.